J'adore Snapchat. D'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à me rajouter, tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo avec vous où je vais ouvrir vos snaps. Une petite vidéo où j'ouvre vos snaps, je me suis dit que ça allait être super sympa, sachant que je l'ai fait une fois, mais il y a déjà un moment. Et bien aujourd'hui, je me suis dit que c'était le bon moment pour en faire une deuxième. Je vous avais demandé sur Snapchat de me raconter vos meilleures blagues en vidéo. Alors attention, la connexion avec mon téléphone risque de ne pas être ouf de chez ouf, je vois dans mon retour d'écran. Et bien en fait, c'est tout simplement parce que je suis en connexion Wi-Fi. Je sais pas pourquoi, mais mon câble, il veut pas se brancher. Enfin si, il veut se brancher, mais il veut pas reconnaître le téléphone. Bref, c'est parti. Quelle mamie fait peur aux voleurs? Ma mitraillette. Merci Rémi, je la connaissais déjà. On est l'histoire du petit-déj. Pas de bol. D'accord. En fait, ce qui me fait marrer là-dessus, c'est plus que j'ai l'impression que le snap à Pierre, il a un petit peu bugué, vous voyez? Voilà, ça m'a fait plus marrer. On connaît tous l'histoire du petit-déj, et bah sinon, si tu la connais pas, c'est pas de bol. Bien évidemment, Pierre, c'est bien connu. Ouh, je vois que Valentin nous a raconté une blague. Alors, Lola, tu voulais une blague? J'en ai plusieurs, je vais t'en donner une. C'est un homme très très radin qui dit à ses enfants, si vous êtes sages, je vous montrerai la photo d'un homme qui mange une glace. Comment s'appelle la femme de Dracula? D'accord. Draculotte. C'est Dieu qui dit à Casto de ramer et Casto rama. Tu sors, éliminé. Quel est le sport préféré des racailles? Le sport hippique, parce qu'il pique ton vélo, il pique tes clés, il pique ta voiture. Elle est pas mal celle-là, pas mal, pas mal. Les tartines de beurre, on avait dit des vidéos, Julie, des vidéos. Arthur? Qu'est-ce qui n'est pas un steak et une pastèque? Qu'est-ce qui n'est pas un steak et une pastèque? D'accord, qu'est-ce qui n'est pas un steak? Bah, une pastèque. Bah, en fait, Jolat, c'est trois jeunes. Ils viennent comme ça, ils rencontrent un génie. Le génie, il dit, ouais, il faut sauter dans le trou et tirer un vœu. Et là, il y en a un qui dit, je veux de l'argent. Hop, il saute, il tombe dans de l'argent. T'as l'autre, il veut une Ferrari. D'accord. Il saute, il tombe dans une Ferrari. T'as l'autre, il vient, direct. Il saute, il glisse, il dit merde, il tombe dans de la merde. Elle était connue celle-là, elle est connue celle-là, Jason, elle est extrêmement connue, mais bon, on la prend, bien trop connue. Pourquoi les Chinois sont toujours souriants? Parce qu'ils savent ce qu'il y a dans les nems. Pourquoi les Chinois sont toujours souriants? La connaissait celle-là. Parce qu'ils savent ce qu'il y a dans les nems. Courte et classique, oui, tout à fait, ouais, courte et classique. C'est vrai en plus. Comment on nomme un cochon dingue? Un cochon d'Inde? Ouais, d'accord, on va tout de suite passer à Théo. Ouais. Donc en fait, c'est une meuf, elle avait les dents jaunes. Et là, il y a son prof de maths, il sort tranquillement. Ouais. Et tout, et puis là, il arrive avec une coupe du futur, une calvitie. Elle lui dit, ah monsieur, votre coiffeur, il est allé en prison. Et il lui dit, c'est normal, il a tué ton dentiste. C'est un gros bâtard. Allez, bisous, et j'espère que je passerai dans la vidéo. Merci. Pourquoi les Mexicains mangent-ils aux toilettes? Parce qu'ils aiment bien manger et pisser. Et pisser. Bon. D'accord, parce qu'ils aiment... Pisse. Ouais. Quand tu es comme ça, je kiffe tes D'accord. Merci. Là, oui, c'est... elle est connue celle-là. Les Mexicains aiment bien manger et pisser. Ah, salut Jolat. T'es prêt pour ma blague? Salut. Alors c'est un fils qui demande à son père, papa, c'est quoi la beauté? Son père, il lui répond, tu vois ta mère? Et son fils, il dit oui. Et ben, son père, il lui dit, c'est pas ça. J'en ai une deuxième. C'est une maman, elle a 3 enfants. Le deuxième, il s'appelle Neige. Et le troisième, il s'appelle Brique. Le premier, Sable, il demande à sa maman. Maman, pourquoi tu m'as appelé Sable? Elle lui répond, parce qu'il y a un grain de sable qui était tombé sur la naissance. Le deuxième, Neige, il lui dit. Maman, pourquoi tu m'as appelé Neige? Elle lui dit, parce qu'il y a un flocon de neige qui était tombé sur la naissance. Et le troisième, Brick, il lui demande. C'était pas mal cette... Franchement, elle était bien. Je suis désolé un petit peu pour la connexion que vous allez voir entre les deux. Vraiment, pour la prochaine fois, d'ailleurs, n'hésitez pas à me rajouter sur Snap, hein, je mettrai tout dans la description. Mais pour la prochaine vidéo, on fait une vidéo interaction comme ça. J'essaierai vraiment de connecter mon câble pour qu'il y ait une meilleure connexion entre les deux, parce que par Wi-Fi, vous avez vu, ça fait des petits lags et tout. Dis que Mozart est mort, mais quand j'ouvre mon frigo, Mozart est là. Très classique, très connu. Hein. Alors, ouh, Zika Où ont les poules pendant l'hiver? Bah, Liverpool. C'est,
C'était tellement pourri, quoi. Mais c'est marrant, oui, à Liverpool, oui. D'accord. Ouh, Léo. Salut, Léo. Matt. Alors, j'ai une petite blague pour toi. Salut, donc, Léo. Quelle mamie fait peur aux cambrioleurs ou aux voleurs, un méchant? La mamie Traillette. Rémi nous l'a raconté au début. C'est mamie Traillette. J'ai une blague à deux balles. Vraiment à deux balles. Pam, pam. Ah, ça se creuse pas les ménages par ici, hein. Goku. Salut, Jolette. C'était pour te dire... La meilleure blague, en fait, c'est qu'il y a eu un dragon qui m'a pissé dessus. No fake, no fake. Je sais pas quoi te dire, Goku. Là, je sais pas. J'en perds mes mots, tu vois. Peut-être Florian, on va relever le niveau. Quelle mamie fait peur aux voleurs? Quelle différence y a-t-il entre un marteau, un pull et la semaine? Je sais pas. Le marteau a un manche, le pull a deux manches et la semaine a 10 manches. Voilà. Ah! C'est pas mal. Elle est pas mal. Franchement, ça va. Elle est pas mal. La brosse à dents dit au rouleau de PQ: je crois avoir le pire boulot du monde. Et le rouleau de PQ répond: c'est ça. Alors, ça m'énerve beaucoup parce qu'en ce moment, mon pull, il peluche. Je peux plus saquer mes blagues. Saquer. Mais dites-moi tous les deux, vous vous êtes partagé un clown au petit-déj, c'est pas possible! Destructeur! Hey Jojo, j'ai une blague pour toi. Tu sais, quand Gandalf a ses règles, et ben c'est comme si t'étais à Paris, quand il pleuvait. T'es dans le plus bel endroit du monde, mais à la mauvaise période. Allez, salut! Coucou YouTube! Y'a rien, fou et personne qui sont sur un bateau. Personne y tombe à l'eau. Rien, il dit à fou d'appeler les pompiers. Alors fou, il appelle les pompiers, il dit: allô, est connu. Je suis fou, j'appelle pour rien car personne n'est tombé à l'eau. Voilà, je la... Elle est connue, mais elle est marrante. Qu'est-ce qu'un chinois dans un trampoline? Un riz sauté. Ah ça, c'est bon. Salut Jolette, c'était pour te raconter la blague. Alors, c'est un schtroumpf et en fait, il va au marché. Et puis il paye avec sa carte bleue. D'accord, je trouve une carte bleue. On aura tous compris, bien sûr. Iliani va relever le niveau tout de suite, j'en suis certain. Je suis allé chez son pote et lui ai dit: oh, t'as un enfant que tu l'as appelé comment, son pote? Je lui ai dit: Jonathan. Du coup, le mec, il rentre chez lui et dit: je sais comment on va appeler notre enfant. Verlatte, on va l'appeler. Sa meuf lui dit: mais c'est pas un nom ça. Mon pote, il a bien appelé ses enfants Jaune. Attends. Voilà, Jonathan. La blague, elle était pas trop rigolote. J'ai mal dit parce que... Ah non, ouais. Non. Et j'espère que je vais passer dans ta vidéo. Bye bye. Ouais. Voilà, ok, bye. Non, effectivement, elle était pas drôle. What? Ciao l'amigo. À bientôt. D'accord, mais on s'en fout. C'est tout le temps, c'est le Google Maps qui se met en route, hein. c'est un truc de fou. Le Google machin. Salut, Freak Spector. C'est Freak Spector. Du coup, tu avais demandé des blagues. Du coup, moi, je te dis quelques petites blagues. Juste avant ça, je te demande une petite dédicace pour Freak Spector, moi-même, du coup. Pourquoi les voitures mettent du temps à circuler dans le nord? Parce que les voitures n'arrêtent pas de caler. Connu celle-là, connu. C'est un mec qui rentre dans un bar, il dit: salut, c'est moi. Du coup, tout le monde se retourne, mais c'était pas lui. D'accord, Anthony, direction chez Goku et avec le dragon qui fait pipi et... D'accord, Carlos, relève le niveau, Carlos. Quelle est la différence entre un noir et un pneu? Le pneu, quand on lui met des chaînes, il chante pas du blues. D'accord. Qu'est-ce que les petits verres qui montent et qui descendent? Un scout sur les genoux d'un prêtre. Elle est quand même dégueulasse, celle-là. Alors, pour moi, la meilleure blague courte et qui est plutôt marrante, c'est Dieu disait à Castorama depuis ses jours. Castorama. Salut Jolette, je vais juste te poser deux questions et je sais pas si c'est autorisé. Pourquoi les policiers n'ont pas de rides? Parce qu'ils ont la police. Deuxième blague. Moi-même, je rigole pas la blague. Ouais. Ça veut dire que c'est pas très drôle. En général, oui. Ma télé pour la déplacer, on peut dire qu'elle s'est téléportée. Que dit un escargot quand il croise une limace? Oh, un naturiste. Que dit un escargot quand il croise une limace?
Ouais, écoute, d'accord. Elle est pas mal, celle-là. Je la connaissais pas. 1, 2, vous m'entendez? Oui, c'est parti. Alors, une blague. C'est un juif qui range sa maison et finit par nettoyer son four. Voilà, il nettoie son four et tout. Donc, pour rentrer dans un four, parce qu'il faut bien rentrer pour nettoyer les crasses et tout ça à l'intérieur, pour le nettoyer de A à Z. Donc, il rentre et il commence à sticker comme ça. Comme ça, voilà, il nettoie. D'accord. Et il y en a plein qui chantent. Mais moi-même, quand je fais le ménage, je chante. Alors, il chante, il la stick. Tous les copains, je ne vous oublierai jamais. Didouda, didi, bidouda, didididou. Voilà, c'était tout pour moi. Elle était limite, limite. Désolé si. Voilà. Des bisous, je vous aime. D'accord. Je crois que j'ai compris la blague. Oui, j'ai compris la blague. Bah oui. Vous, les copains. Après, elle est limite. Elle est limite celle-là, mais bon. Julien, tu vas aller rejoindre celui qui fait des blagues avec les scouts et les prêtres. Je crois que c'était Carlos. Yo, rat, c'est pour te dire que ma blague, c'est si tu mélanges du blanc et du noir, tu vas dire ouais, ça fait du gris, bah non, ça fait du chocolat. Ouais, ouais, tu vas rejoindre Goku et tout ça, hein. C'était une blague, ça? Qu'est-ce qu'un lépreux qui fait un bras d'honneur? Une catapulte. Qu'est-ce qu'un lépreux qui fait un bras d'honneur? Une catapulte. Qu'est-ce qu'un lépreux qui fait un bras d'honneur? Je sais pas ce qui me fait le plus rire là-dedans, si c'est la blague ou si c'est le fait qu'il parle avec un vocodeur. Oh putain, au lieu merde. De dire Isaac Véro fait l'amour en silence, tu peux dire Véronique Sanson. Au lieu de dire Véro fait l'amour en silence, tu peux dire Véronique Sanson. Elle est pas mal celle-là. Oui, oui, c'est connu. Là. Quel est le jeu qui va toujours au nord? Le Sudoku. D'accord. Tu sais quelle est la différence entre une blonde et une théière? Non? Aucune. Non, mais je veux le savoir. J'ai pas compris la dernière. J'ai pas compris la dernière. Bon, écoutez les gens, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. En tout cas, il y a eu des bonnes blagues, il y en a eu des moins drôles. J'aurais très certainement coupé au montage, mais il y a eu plusieurs fois les mêmes blagues. En tout cas, bah, si vous avez kiffé, oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Et il y a Carlos qui est en train d'écrire, je vois. Et bien sûr, n'hésitez pas à me rajouter sur Snapchat. Tous les liens sont dans la description, Snapchat, Instagram et tous les réseaux sociaux, quoi. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao tout le monde, bye bye.